ربنا صل على محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد صلى الله عليه كما صليت على إبراهيم صلى الله عليه وسلم وعلى آل إبراهيم اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه الأبرار مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على رسولك خير الخلق كلهم مولاي صل عليه مولاي صل عليه مولاي صل عليه مولاي صل عليه صلوات الله عليه يا شيخ الله سبحانه وتعالى a honoré le prophète Mohammed, pas parce que le prophète passait toute la nuit à prier, il le faisait. Le prophète priait jusqu'à ce que ses pieds s'enflaient. Mais Allah ne l'a pas honoré par ses prières nocturnes. Il était l'homme le plus généreux. Et le prophète faisait le jeûne que nous les musulmans, nous ne sommes pas permis de faire ce jeûne-là, qu'on appelle al-wisal. Il pouvait faire 3 jours de jeûne successifs. Mais Allah a honoré le prophète Muhammad alayhi wa salatu wa salam tout simplement parce qu'il avait un bon comportement. Et Allah dit dans le Coran, « Wa innaka la'ala khuluqin 'azim » Tu es d'une moralité sans pareil. Alors, lorsqu'on parle de la bonne valeur morale du prophète Muhammad Ali, on pourra dire que cette moralité ou cette éducation du prophète n'a pas commencé après la prophétie, mais c'était depuis le berceau. Qu'Allah nous facilite la compréhension. Lorsque notre mère Halimatu Saadiya, qui était censée allaiter le prophète Muhammad Ali wa salatu wa salam, est venu vers le prophète. Le prophète a accepté le sein droit et il a refusé le sein gauche. Alors certaines personnes peuvent penser que c'est interdit peut-être aux enfants de prendre le sein gauche. Non, le prophète depuis le berceau a montré à Halimatu Saadiya que tu as un autre bébé à qui tu donnes le sein. Donc moi je me contente du sein droit et je laisse celui de gauche à ce bébé. L'homme de Dieu, depuis le berceau, a su nous montrer et nous développer ce qu'on appelle le sens du partage. Ça faisait partie de ses bonnes valeurs morales. Et c'est pourquoi lorsqu'ils sont venus interroger le prophète Muhammad Ali, parle-nous de ta mission. Nous savons que Seyna Isa, autrement dit Jésus, a été envoyé avec Injil. Et Seyna Moussa alayhi salam a été envoyé avec Taurat. Et toi, tu as été envoyé avec quel livre? Et en ce moment, le prophète pouvait dire que j'ai été envoyé avec le Coran. Mais il ne l'a pas dit. Il a dit, Bo'istu li utam mima makarim al-akhlaqi. J'ai été envoyé pour parfaire les bonnes valeurs morales. Et donc, la moralité du prophète Muhammad Ali, c'est ce qui faisait la valeur réelle du prophète Muhammad Ali. Et un jour, Aïcha radiallahu ta'ala anha pose la question au prophète, entre toi et Youssouf, qui est beau physiquement? Et le prophète dit ceci, tous les prophètes qui ont été envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala
ont une beauté physique et morale et une éloquence sans pareil. Il dit, mais j'ai été envoyé, je suis le plus beau des prophètes, le plus éloquent des prophètes, mais le prophète aussi le mieux éduqué spirituellement que tous les prophètes. Ça veut dire que sa valeur dans la prophétie, parmi les autres prophètes, consistait pour lui à avoir une éducation plus parfaite que tous les autres prophètes. Et c'est pourquoi le prophète Muhammad Ali, avec ses ennemis, les ennemis du prophète eux-mêmes qui ont donné le nom de Al-Amin au prophète Muhammad, bien avant l'islam. Et le prophète qui distribuait les dépôts de ses ennemis, ce que les ennemis sont venus confier au prophète, il demandait à Ali de leur redonner, mais les ennemis qui cherchaient à l'exécuter. Je ne sais pas si vous me comprenez, chers frères et chers sœurs. C'est-à-dire qu'on ne l'aime pas, mais on sait que dans la Mecque, il est l'homme le plus sécurisé et l'homme le plus rassuré quant à lui confier une confidence ou un dépôt. Donc les ennemis venaient vers le prophète, ils ne l'aimaient pas, mais ils confiaient leur argent au prophète Muhammad Ali. Et quand on parle aussi de son sang-froid, de son pardon, il avait un serviteur qu'on appelait Anas. Anas ibn Malik dit qu'il a passé 10 ans dans la maison du prophète. 10 ans dans la maison du prophète Muhammad Ali Kawalikasalatu Wassalam. Et dans les 10 années dans la maison du prophète, que le prophète ne lui a jamais dit pourquoi. L'imam. Qu'Allah nous facilite la compréhension. Allez, moi je ne peux pas passer une journée avec quelqu'un sans blâmer la personne. Mais Anas dit qu'il a fait 10 ans dans la maison du prophète. Et le prophète ne lui a jamais dit, pourquoi est-ce que tu agis ainsi? Et un jour le prophète commissionne Anas. Anas qui sort et il voit les enfants en train de jouer. Il a oublié la commission du prophète Muhammad Ali. Il s'est laissé un peu distrait. Et le prophète qui vient derrière Anas, qui pose sa main sur le pôle de Anas avec le sourire. Et Anas tourne le dos, il voit le prophète. Anas dit au prophète, j'étais en train de partir. Et le prophète dit à Anas, je te vois en train de partir. Mais seulement tu as été un peu lent. Avec le sourire, chef, chef, chef. Mais il n'a jamais dit à Anas pourquoi. Parce qu'il avait le sang froid. Parce que le prophète n'était pas quelqu'un qui condamnait, qui blâmait et qui éloignait des gens de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et même après une guerre sainte, il y a un ennemi du prophète Muhammad Ali salatu wa salam, qui a vu le prophète qui se reposait. Je dis ça peut-être pour ouvrir cette parenthèse. Dit que l'islam n'est pas une religion qui tue. Il a vu le prophète qui se reposait. Alors lui, il a eu une bonne occasion d'exécuter le prophète. Il marche tout doucement, il vient vers lui. Il prend le sabre et il réveille le prophète. Et quand il a pris le sabre, il voulait automatiquement exécuter le prophète. Mais il a dit non, je ne vais pas l'exécuter tout de suite. Je vais le réveiller d'abord. Et quand le prophète va se réveiller, je vais lui poser une question avant de l'exécuter. Et qu'est-ce qu'il fait? Il réveille le prophète. Et il dit au prophète, Ya Muhammad, man yamna'uka minni. Tu es seul ici. Moi, je le savais. Qui peut t'empêcher, qui peut te protéger là où tu es? Et le prophète fixe son ennemi en lui disant, Allah. Allah peut me protéger là où je suis. L'homme a commencé à trembler et le sabre est tombé. Et le prophète qui prend le sabre et il regarde son ennemi, il lui pose la question, qui peut t'empêcher et te protéger là où tu te trouves? Il regarde le prophète, il dit, toi le prophète Muhammad. Et le prophète le regarde avec le sourire, chef et chercheur. Le prophète lui redonne son sabre et le prophète lui dit, il est parti. Cette religion ne peut pas ordonner la violence.
cette religion ne peut pas inciter à la violence. Parce que la moralité du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam ne pouvait même pas coïncider, on peut le dire ainsi, avec la violence, chers frères et sœurs. Et un jour, Seyna Omar radiallahu ta'ala a vu un ennemi du prophète aussi qui venait exécuter le prophète. Et il a même dit à Omar, il dit, je vais pour exécuter le prophète. Et le prophète, Seyna Omar regarde sur l'ennemi du prophète et lui dit, tu oses me regarder en face et me dis que tu vas exécuter le prophète. Omar saisit le monsieur et Omar l'a ligoté. Et il l'envoie dans la cour de la mosquée. Et l'homme de Dieu, le prophète Muhammad Ali Kawadikasalam, qui sort de sa maison, il voit le monsieur attaché. Automatiquement, il pose la question. Il dit, qui a attaché ce dernier ici? Omar précipitamment qui sort, qui dit, c'est moi envoyé d'Allah. Il a décidé de t'exécuter. Alors le prophète lui-même se charge de défaire le monsieur. Lui-même. Et il demande à Aïcha d'envoyer la nourriture à ce dernier. Et quand il finit de manger, le prophète lui donne à boire lui-même. Et il lui redonne son sabre en lui disant de partir. Mais l'homme décide de partir, il fait un pas, deux pas. Le prophète l'appelle, il dit, si tu es loin d'ici, je peux dire à un de mes disciples de t'accompagner avec sa monture. Alors il regarde le prophète et il dit, Wallahi innaka la Rasulullah. On ne peut pas avoir une telle moralité si on n'est pas un envoyé d'Allah. C'est-à-dire qu'il avait le pardon en lui. Il avait la tolérance en lui. Et ça aussi, ça expliquait sa bonne valeur morale. Et notre mère Aïcha, pour t'expliquer aussi que l'homme de Dieu était un homme doux dans sa maison. Un jour, il a eu des échanges avec Aïcha. Ça n'allait pas trop à la maison. Et le prophète qui sort, lui-même, qui va voir Abou Bakr Siddiq. Et il dit à Abou Bakr, je veux que tu viennes intervenir à la maison parce que ça ne va pas trop entre Aïcha et moi. Et Abou Bakr qui était dépassé. Et il n'était pas heureux de voir que sa fille a affligé le prophète Mohammed Ali Kawa. Et lorsque Abou Bakr rentre, Aïcha veut parler. Le prophète dit non, laisse-moi parler d'abord. Aïcha dit non, c'est moi, je parle en premier. Et Abou Bakr qui dit à Aïcha non, laisse l'envoyer d'Allah parler. Et lorsque le prophète a voulu parler, Aïcha lui dit, mais dis exactement comment ça s'est passé. Alors Abou Bakr était dépassé et Abou Bakr regarde Aïcha, il lève la main contre Aïcha et le prophète saisit la main de Abou Bakr en lui disant, je t'appelle pour que tu viennes apporter la paix dans ma maison. Mais si tu portes main à ma femme, quand tu vas partir, comment est-ce que je vais faire après toi? Et Aïcha avec le sourire dit, j'ai dans ma vie le meilleur époux et le meilleur envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le prophète n'a pas mis sur lui son titre de prophète, son titre ou sa dimension d'envoyé d'Allah. Mais il était un homme humble. Il a même donné rendez-vous à un mécréant qui était très jeune, qui dit au prophète Muhammad Ali Kawalika Salam wa Salam, je dois te parler. Et le prophète lui dit, où est-ce que tu veux me parler? Ça aussi, c'est de donner un autre enseignement, chef et chef, pour dire, la ponctualité faisait partie de la moralité du prophète Muhammad Ali Kawalika Salam wa Salam. Et le jeune dit au prophète que je veux qu'on se rencontre derrière la maison du Médine, sous un arbre. Et le prophète qui sort, qui va attendre ce dernier toute la journée, il ne vient pas. Lorsqu'il est l'heure de la prière, le prophète vient faire ses prières et il retourne l'attendre. Trois jours après, c'est-à-dire troisième jour, le jeune s'est rappelé qu'il avait donné rendez-vous au prophète. Alors il se précipite maintenant pour aller à Médine, s'excuser auprès du prophète. Il va trouver le prophète en train de l'attendre sous l'arbre il y a trois jours. Et le prophète qui s'élève, qui vient vers lui avec le sourire, chef, 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 avec le sourire. Il dit, mais ça fait trois jours que tu m'as fait attendre là. Et il regarde le prophète.
au lieu de lui poser la question, il dit directement Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah. Automatiquement, il est devenu musulman. Parce que le prophète, sa ponctualité, mais son humilité et sa modestie a comblé ce dernier. Alors, lorsqu'on parle de cet homme de Dieu, et quand on parle du Mawloud, le sens du Mawloud, c'est de sortir ces valeurs-là. Montrer aux uns et aux autres que nous devons absolument rentrer en contact avec l'histoire. C'est-à-dire, quand on parle de l'islam, pour quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire de l'islam, pour quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire du prophète Muhammad alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam, peut juger les musulmans autrement. Mais lorsqu'on connaît le prophète, on ne peut que accepter et reconnaître que le prophète a été l'homme le plus parfait de l'existence. Et qu'est-ce qu'il évitait aussi, chers frères et chers sœurs? Le prophète n'a jamais opprimé qui que ce soit toute sa vie. Regardez même la droit de sortie. Lorsqu'un musulman doit sortir de sa maison, qu'est-ce que le musulman doit dire? C'est-à-dire, en écoutant simplement le sens de cette droit, on comprend qu'un musulman ne peut pas déranger. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Je sors au nom d'Allah et je me confie à Allah. Mais la droit est un peu long, mais il y a une partie dedans où le musulman doit dire Wa a'ouzu bika an azlima aw uzlama. Allah, je sors, je cherche refuge auprès de toi. Je ne veux pas opprimer, je ne veux pas être opprimé. Je ne veux pas déranger, je ne veux pas être dérangé. Je ne veux pas être parmi les prévaricateurs, je ne veux pas être non plus offensé dans ma foi et dans ma dignité. Ça veut dire le musulman en sortant déjà à la conscience spirituelle qui ne doit pas déranger. Et c'est pourquoi lors de la bataille de Badr, le prophète qui pose la question à ses sahaba, il dit, est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un que moi j'ai une fois dérangé? Alors les disciples du prophète regardent le prophète et tout le monde dit non. Mais il y a un qui lève la main, il dit au prophète, il dit tout à l'heure, lorsque tu disais aux gens de se dresser, le bâton que tu as utilisé m'a fait un peu mal au dos. Et le prophète regarde ce dernier et dit, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Il dit, non, il faut que je rentre pour moi. Alors les disciples du prophète étaient très énervés. Et le prophète lui dit, donc je te remets le bâton et tu rentres pour toi. Il dit oui. Le prophète remet le bâton à ce dernier. Chers frères, chers sœurs. C'est-à-dire le simple imam du quartier. Dans la mosquée où on a peut-être 7 disciples seulement, 7 fidèles seulement n'acceptera pas cela. Et lorsque le prophète redonne le bâton à ce dernier, il dit au prophète Muhammad, lorsque tu me touchais avec le bâton, ça m'a touché à un côté où je n'étais pas habillé. Alors je te demande de te déshabiller, d'enlever ton boubou pour que je rende ce que tu m'as fait. Alors les disciples étaient prêts maintenant à exécuter ce dernier en disant que non, c'est un mounafiq. Parce que ça, c'est notre force. Alors on ne cherche pas à comprendre les choses et automatiquement on condamne et on juge. Et le prophète enlève son boubou, lui donne d'eau. Maintenant, il doit taper le prophète avec le bâton. Et lui, il enlève son boubou. On le regarde maintenant, on dit là, si lui-même il a enlevé son boubou, c'est qu'il est prêt à frapper très fort. Alors il vient tout doucement vers le prophète et il se frotte contre lui. Il dit au prophète que je suis sûr qu'aujourd'hui sera le dernier jour de ma vie. Mais je demande à Allah que le dernier jour de ma vie soit un jour dans lequel j'ai frotté mon corps contre le corps du prophète Mohammed Ali. C'était un enseignement de la part du prophète, mais un amour témoigné de la part de ses disciples. Mais le prophète a montré que même lui, envoyé d'Allah, si son simple bâton touche quelqu'un et que la personne ne lui pardonne pas cela, Allah va lui interroger le jour de la résurrection.
Est-ce que les disciples de ce dernier peuvent s'exploser quelque part? Est-ce que les disciples de ce dernier peuvent tuer les enfants des innocents? Non, chers frères et chers sœurs. Alors, quand on parle du Mawlud, chacun doit recevoir quelque chose de prophète dans le jour du Mawlud. Vous savez de quoi, chers frères et chers sœurs? Moi, je suis venu au Mawlud, j'ai appris que le prophète était tolérant. Donc moi, cette année, je ne vais pas faire les autres, mais je ferai tout pour que cette année, je puisse être quelqu'un de tolérant, quelqu'un qui pardonne. Ça sera ma contribution dans l'amour du prophète Muhammad Ali. Et je reviens l'année prochaine, on me dit, le prophète était généreux. D'accord, j'ai déjà la tolérance en moi, je commence la générosité, je vais la prendre tout doucement jusqu'à l'année prochaine. Et dis, Maulou, déjà, tu as 10 bons comportements du prophète, ton Maulou dégagé, car là nous facilite la compréhension. Qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin. Wa sallaytu bi sami ala khayr khalqihi Muhammadin man zaha ad-dalala wal ghalat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا الحمد لله مدوم من لا يدري أنا يجود أنا يجود نومي Ala yɛrɛ cogo don ni sabali ye, ala yɛrɛ cogo don ni ala ɲɛsiranya ye, ala yɛrɛ cogo don ka bɔ asidiya ma, kuma laɲini b'o de ye. Asidiya bɛ mɔgɔ pɛridi le, a ti nafa. Jogo ɲumanya bɛ adamaden jili le, a b'i barika. Donc an ka kira sɔlɔlɔhu alayhi wa salam, a jogo tun ka ɲi, a tun bɛ siran ala ɲɛ, a tun bɛ adamaden ɲɔgɔn gasi sigi. Hali kafiriw n'u ka kafiriya ala kira k'u gasi sigi. Chrétiens, nous avons chrétiens à la grave ou gassiski. A collaborer à nous, comme mon frère que nous y est, car la madea que nous y est. Donc vraiment, un djidja, un mon frère pour nous, un grand de nous, gassi, un grand de nous, un grand. Ça veut dire que nous avons un paradis pan. Il est mort de triomphe. Voilà, il a fini de tenir bateau à bas de perdu. À la gang, c'est tout. Il est mort de faire des. Il va bouillant. Ni y'a bouya ka bagani, il y'a sangi kembe djoumou, ala ba y'a faut qu'il y'a la roma boucha. Diyan dana l'ou la roma le madè, ala kira sallallahu alayhi wa sallam, akou o sabado, ala kira ala kira devant sita, mais ala kira no esena humake, ala sabake djalaki. Mouami mi devant sita la, il fa abara koson, ni y'a imo djalaki yo, djoko nyoya le boke. Mon ou la gavette à l'arrivée à France, Allah le Sala. C'est normal pour trimer la série. A la série, à pour la vocale, mais c'est pour qu'on a la grande pour la caille. A quoi, à quoi, j'ai gagné de l'histoire. Ou mal pour la, ou mal y en a le co, ou mal une légacy, parce qu'à vos caméras, quoi, tout qu'il a, ou mal pour la noyer, à la grande pour la le Sala. A l'être à la gata, fouille, à la cafrique, fouille, à la tournée, à tourner dama, à dix dama, à gaba mou dama, à la gagnina, fait bon à boire au cadjan, cadre à mon la boca compagne. Ça veut dire que l'on a pour la voix Oumar Koufna Tchetoui. Donc, alhamdoulilah, il y a eu tout le monde. Et à nous, nous avons dit, 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 nous avons dit,
ni kira famia ibe so munyo ni sabalima ala ma sabala ala ma ngala munyo bawe amade ala fe ambe ko mun ke fili kono na ma lo ka ya rabbi ka ala ya fami mu ma lo kala ko ma la pa ma uzu da na shaytan rajim bismillahir rahmanir rahim ako tabaraka allazi bi yadi mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir allazi kalakal mauta wal ayauta liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwa azizul ghafur